Encore une fuite d'huile. Ah, une fuite d'huile providentielle. Ce n'est pas de sa faute si Atreus est parti, tu sais. Ou bien, n'es-tu que le champion de Brock? Ah, tu vois, tu insinues encore et tu sais. L'homme le plus intelligent qui soit ne comprend donc pas. Les géants taisent l'existence d'un personnage mystérieux altérant le destin du Ragnarok. Et tu ne reconnais pas le seul prétendant rationnel. Celui qui est parti en guerre contre les dieux et qui a gagné. Je ne suis pas leur champion. Eh bien, nos opinions sur le sujet diffèrent. Whoa!
Les portes semblent liées. J'essaie de briser cette fixation au loin. C'est ouvert. Pour un morne, il était anormalement robuste. Les nains auront du mal à reconquérir ces galeries. Nous devons ouvrir au moins les portes. Cela a comme un air de déjà-vu, mon frère. Ça a marché. On y va? Ton opinion. Est-ce pour cela que tu as souhaité cette alliance? Attends-tu de moi que je mène tes armées lors du Ragnarok? C'est à Tyr de le faire, pas à moi. Tyr n'a plus rien d'un dieu de la guerre. Moi non plus. Cette vie appartient au passé. Pas la partie qui consiste à tuer des dieux. Sinon, que faisons-nous dans ce royaume? Forger cette arme, c'est ton choix. Et tu sais où il pourrait nous mener. Je ne fais que protéger mon... Je sais. Et tu sais comme moi ce que la protection d'un enfant peut nous amener à faire.
Mon frère, ce petit salopio va exploser. Bon, où ont-ils bien pu cacher le troisième ? Au-dessus, mon frère! Derrière toi, prends garde! La mère d'Atreus était une géante, n'est-ce pas? C'était une Jötnar. Oui. Je me doute qu'elle ne faisait pas la taille d'une maison. Je sais que tous les géants ne le sont pas. Une différence de taille n'est pas un mal en soi. Pas plus qu'avoir des membres en trop, ou en moins. Cela va de soi. Voilà, l'autre porte à présent. Pourquoi cette question ? Odin s'est opposé aux géants pendant des générations et a quasiment éradiqué leur espèce. À deux reprises. Aujourd'hui, tu es peut-être sur le point de l'en empêcher une bonne fois pour toutes. Ne crois-tu pas que c'est ce que ta femme aurait voulu ? Ne présume pas de ce qu'elle aurait voulu. Je ne dis rien que tu n'aies déjà pensé. Comment était-ce déjà ? Tes secrets hantent chacun de tes pas. Peut-être que si tu exprimais tes doutes, tu ne les hurlerais pas au visage de ton fils. Je n'en ai aucun. Elle connaissait mon passé. Jamais elle ne m'aurait demandé cela. Pourquoi aurait-elle eu à le demander ? Elle a vu ton destin. Trois parents d'Odin sont déjà morts sur la voie qu'elle a tracée pour toi. Elle savait exactement ce qui se passerait en t'envoyant à Jotunheim. Ce ne sont là que des suppositions. Tu as raison. Ce n'est pas à moi de le dire. Oh!
Hein, que diriez-vous d'un grand bol d'air frais après ça? Oui, je m'en doutais. Nous approchons, je le sens. Je ne cherchais pas à te provoquer ou à mettre en doute ton mariage. J'ai simplement l'impression que tes pensées ne sont pas encore en phase avec ton instinct. Et ce sentiment m'est familier. Une fois sorti d'ici, je te laisserai tranquille. Le temps que tu décides si tu es prêt pour ce qu'implique la création et l'utilisation de cette arme. En attendant, je vais voir si je peux apprendre autre chose de cet endroit. Qui sait, je renverrai peut-être quelques ennemis. Au Valhalla pour la forme. Bon, amuse-toi bien. Hé, hey, vous voilà! Il était temps. Tout est prêt ici. Il nous reste plus qu'à pousser jusqu'à la forme. Falky! C'est pas le chemin de la forge. Je ne vais pas m'avancer, mais pour ça, vaut mieux qu'on revienne plus tard. Oui, crois-moi. Quelque chose à voir là-dedans. Hein? C'est un ingrédient de la recette. Comment ont-ils atteint ce royaume? Oh, voyager entre les royaumes était leur spécialité. Vois-tu, Yari avait été élevé en guerrier midgardien. Se battre pour sa famille, trouver une épouse, mourir pour la gloire. Mais il a rejeté tout cela. Il est parti. Il a suivi sa voie. Je ne serais pas surpris de retrouver leur marque dans d'autres royaumes.
humains là-dedans. Welcome in Rome. Sache que c'était comme ça quand nous l'avons trouvé. C'est ça, oui. On peut dire que vous vous êtes démené pour venir ici libérer le vieux Tyr. C'est pas vraiment ce que vous vous attendiez à trouver, hein? Mais comme ça. Où il va vite y avoir des yeux partout. Prenez donc vos petits raccourcis. Comme si j'avais besoin de me dégourdir les jambes. Je vous rattrape quand je veux sans problème. Pas étonnant qu'il s'est fermé les portes. Dis bonjour. Je l'ai presque. Voilà. Bien le bonjour, étranger. Vraiment, je ne m'y ferai jamais. On va croiser des types du coin. Faites pas les sauvages, et ça devrait bien se passer. Oh, arrêtez un peu de cailloter, bande de têtes mamelles. Emmorvez dans vos équipements de protection. Vous avez jamais vu une légende ou quoi ?
ça sent pas bon. Tu vois le problème, hein? Ces fichus de volant ont fait leur nez sur les câbles. Alors, trouver un moyen de monter pour nettoyer tout ça. Et c'est parti! Au-dessus, mon frère! Cette roue là-haut permet d'ouvrir la porte. On passe à l'atteindre. Pas de prise de ce côté. Fouille à droite, à gauche. Doit y avoir un moyen d'activer cet élévateur. Mon frère, as-tu remarqué comme les nains du camp semblaient bien plus inquiets de la présence de Brock que de la tienne? Ils avaient l'air surpris. Bon, j'ai plus qu'à tourner cette manivelle et boucher ce geste. Donne-moi le signal dès que t'es prêt. Maintenant. Tout de suite. Tourne-la. Bien reçu. Tourne encore. Ça marche. Oh, la porte ouverte, mais... faudrait que tu sois en haut pour traverser, tu crois pas? Encore une fois. Ça marche. Est-ce que tu crois qu'il nous...